et à tous, vous êtes à la punch. Oui. Je vous rappelle que pour la PL8, vous pouvez choper vos places sur kisskissbangbang.com. Il faut faire ce putain de truc à une carte de malade. Faites du bruit dans la place si vous êtes chaud. Yeah. Donc là on a un battle, c'est deux mecs qui viennent de je sais pas c'est quoi, je vais les laisser nous présenter. À ma droite, Fekaz, Charleville, et je suis un peu bourré mais ça va se faire quand même. À ma gauche, Yesouf aka, j'ai dit que j'avais l'écrou, j'ai commandé un repas chaud aka. Faire des battles, c'est mieux quand ta voix a mué. Vas-y, mon ok, t'es à ma droite. Si je trouve la pièce tout de suite, je vais le faire avec le. Avec, ouais, vas-y, t'en as une pièce comme ça. T'en as une pièce, est-ce qu'on peut. Je suis un Colitos luxembourgeois. Vas-y, je l'ai trouvé. Pile ou face. 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 Et c'est pile, tu choisis. Comme tu veux. C'est à toi de choisir. D'accord, les gars. Ouais, choisis. Tu veux commencer, c'est parti. Je dis que j'avais les crocs. J'ai commandé un repas chaud et vous m'avez amené un haricot. Donc d'après les réseaux sociaux, à la dernière PLT, c'était lui le plus chaud. Bravo, les gens ont retenu que ta diction était propre et nette. Moi ce que j'ai retenu, c'est que tel un proxénète qui malmène sa pute, Lisbert t'a jeté une bouteille sans que t'aies la moindre réaction. Technique policière du bled, je vais t'asseoir sur la bouteille jusqu'à ce que tes ovaires. Oh mais ça a l'air de te plaire, t'as un début d'érection. Question. La dernière fois quand tu disais, moi ce que j'aime, c'est les poules, les paix et les pâques. T'étais sérieux, man? Non, parce que baiser un animal, c'est mal, man. Et puis moi quand je gonfle les joues de ta sœur avec mon sperme et qu'elle ressemble à un hamster, c'est pas de ma faute, man. Ça fait mal celle-là. T'es comme tout le monde ici, tu m'as pas vu venir. T'as serré la ceinture abdominale, hop, je décale, je passe par derrière et comme une mauvaise chute à cheval, je te pète la colonne vertébrale. Je l'ai handicapé, c'est officiel. Tu restes à la PLT, aka la Ligue pour les tétraplégiques. Time du bruit, les gars. Ciao. Faites la différence. Je battle pas un ancien, mais un vieux qui trime. Parce que dans l'indifférence, y'a rien qui peut te rendre légitime. Ah si, un sérieux point commun entre Ayam et sa team. Dans RCS aussi, ils sont tous vieux, mais eux, ils ont pas palpé un centime. Et puisqu'à 10 ans, on serait old school. Atterri, t'es pas rétro. Au mieux, tu trouves ça cool, draper la même décennie que Tragédie ou Camaro. Je me demande, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Parce que d'old school, t'as juste la dégaine, t'es vieillot. À ton âge, pourquoi prendre le risque qu'on te déteste? Tiens, pas, occupe-toi des tiens. À ton âge, pourquoi faire des tests? Va donc passer des examens. Il voulait baiser le rap, c'est franc. Oh, il est devenu impuissant. Oh, quand il voulait devenir un monument, il a fait mieux. Il est devenu un continent. Les vieux magas, c'est comme ça, ils en veulent toujours plus. Je lui laisserai pas de place dans le peur, à peut-être ma place dans le bus. Je pourrais garder le corps d'un ado en la vie d'un alcoolique. De toi, je me moque, Yesouf. Yesouf, les démal des dos chroniques. Quand tu veux. Bon, t'as fini, Elis et Moon. Alors, Fekaz, t'es venu avec tes petites rimes de rappeur, tes petites mimiques de rappeur. T'es même venu avec ton pote, Alistair, le rappeur. Mais t'as une putain de dégaine d'agriculteur. Le genre de type qui peut faire un bébé à sa sœur. Le genre de type issu du genre de famille où il y a un enfant qui est peut-être le bébé du facteur. Plutôt que donner des potes à ton pote Alistair sur son jeu d'acteur, de jeune branleur, t'aurais dû lui apprendre à se taire. C'est par lui que j'ai appris que ta mère était tellement grosse et se faisait tellement monter en l'air qu'on l'appelait la montgolfière de Charleville-Mézières. D'ailleurs, si un jour je battle sa mère, je crois que je commencerai comme ça. J'ai dit que j'avais les crocs, j'ai commandé un repas chaud, mais cette sale grosse a vidé tout le frigo. Quand tu
tu veux. Fais casse quand tu veux. Silence, s'il vous plaît. Mec, t'avais toutes tes chances. C'est bizarre que tu sois si cramé. T'avais une grande longueur d'avance, tu rappais, j'étais pas né. J'arrive à quand on descend dans un bidon d'essence, je vais t'exploser. Non, non, pas besoin. T'es un con indécent, un gars bidon de naissance, t'es déjà tout pété. T'es ce genre de mec qui trouvait l'héros prolifique. En prison, tu ramassais le savon, t'es un guédro de l'orifice. Je lâche des mots, sale vers cette puce, j'en tiens, t'es zéro positif. Mais t'es mauvais et tu le prends bien, donc t'es un zéro positif. Non, on m'a dit fais gaffe, c'est un gangster, il va te suriner. J'ai dit bah non, c'est un grabataire, il galère déjà à uriner. On m'a dit fais gaffe si tu gagnes, tu vas prendre des claques par son équipe de Renoir énervé. J'ai dit t'inquiète, hop, les blagues en Belgique, ils sont 5, dedans y'a Stromae. J'en ai rien à faire. Yo, le rap c'est à part, y'a pas que ça dans mes affaires. Mais toi, 10 ans de carrière et toujours pas de carrure, tu pars sur le carreau si je t'enterre. Ce qui est en train de se faire, ça pour toi c'est ballot. Bref, quoi que pélo, vas-y, poli, t'es un aîné, mais un coquet pas l'autre. T'en même pas long, non, comme pas deux et tu pars trop. T'es pas chaud dans le rap, ramasse ta trappe de trap et rentre chez Watt et Wack, tu capes en plus ta peau dans putain de drogue et au Prozac. Il souffle quand tu veux, il souffle. Chaud de Stromae, mais en France, il y a Jul. Dis-moi, en fait, un peu, ton blaze, là, Feukaze, c'est quoi? C'est un hommage à Nekfeu et Jazzy Baz. Alors, ok, ta diction est propre et nette, mais t'es pas très confiant de l'image que tu projettes. Mec, tu fais plus penser à Pachi de la Starac qu'à un mec de l'entourage. Ou alors peut-être qu'on tombe là, c'est vos trucs de merde là. Hashtag Feukaze. Hashtag F-E-U-K-A-Z. Vu que t'aimes les animaux, français encule un koala au Zimbabwe. Faites une phrase avec un F, un K et un Z. J'allais faire quoi? Footballeur épluche un kiwi avec Zaya. Je sais pas moi. Féministe égorge un kamikaze avec Zemmour. Enfin soit. Avec un blaze comme le tien, fallait t'attendre à ce que je fasse des phases sur ta modeur Feukaze. J'explique. J'ai voulu lui mettre deux doigts, il y a eu appel d'air. Je me suis retrouvé prisonnier jusqu'au coude. Je me suis dit, ah putain, c'est dégueulasse. Je me suis dit, putain, faut que je me casse. Je me suis dit, putain, où est ma montre? Je me suis dit, nique sa mère, faut que je la... Non, je me suis dit, nique ta mère, faut que je la récupère. J'ai replongé ma main dans son vagin, et là, shit, mec, un type m'a check dans sa schneck. Et là, shit mec, un type m'a check dans sa schneck. Je refais, c'est pas un sketch de Popek, je lui ai servi un scotch de Poppers et ma montre, je l'ai récupéré par l'arrière. Hey yo, time! Vas-y, c'est pas grave, je sais qu'en Belgique c'est normal, mais moi je trouve ça crade de ramener des sécrétions anales, enfin... Yo, hey, pourquoi tu fais le fier? Ton groupe RCS c'est horrible, c'est clair que c'est inaudible, en 10 ans même pas un bon titre. Et les types ont l'air de quémander des pièces pour survivre, freestyle schlag à l'air libre avec des zombies cam et ivres. Tu veux une motherfucking true story? Ton équipe est tellement édentée, c'est intriguant, je sais même pas si on fait un dentier entier avec toutes leurs dents. Motherfucking true story. Ton équipe est tellement schlag. Vous avez genre un micro en bois. Attends, la Belgique fabrique des armes, font les flingues avec leurs doigts. Tellement schlag, chez toi c'est petit sordine, plancara. Ton appart est tellement gore que même un de Franck s'y cacherait pas. Bref, t'as compris gros. Y'a pas que ton orthographe qui est pauvre. Puis avant ce battle t'étais déjà chaud. Avant ce battle t'étais déjà chauve. Et tes morceaux. Tes morceaux, tes satanés morceaux, y'a peu de chance qu'un jour on les aime. Parce que t'es info, 24-24, t'es 100% info, t'es BFM. Scoop, je pense que t'es blindé de crime, genre viol de team, des secrets très obscènes. Bref, tes chances de win sont plus fines que le string de Marie-Kate Olsen. Bientôt, j'ai dit bateau, bientôt.